and move on to give the floor to distinguished representative of Gabon. You have the floor. Madame la vice-présidente du comité préparatoire, mesdames et messieurs, chers participants, c'est avec beaucoup de plaisir que je m'adresse aux représentants de la stratégie internationale pour la prévention des catastrophes des Nations Unies et les participants présents à ces assises. En effet, notre pays, le Gabon, a adhéré à l'Organisation internationale de la protection civile le 1er mars 1972 et en devient État membre, d'où la création d'une direction de la protection civile avec une priorité sur la coordination de la réponse en cas de situation d'urgence. En janvier 2004, 168 États membres de l'ONU-SIPC font paraffer la déclaration de Hyogo à Kyoto au Japon et de ce fait, notre pays prend également l'engagement de suivre le cadre de travail recommandé par Hyogo à travers 5 actions prioritaires pour la résilience des nations. C'est cet engagement à travers la déclaration de Hyogo lors de la deuxième conférence mondiale pour la prévention des catastrophes qui nous donne l'occasion de faire le point du cadre pour 2005-2015, construire les nations des communautés résilientes face aux catastrophes et de réfléchir sur les mesures à prendre afin d'améliorer nos capacités pour la mise en œuvre effective de ce nouveau cadre qui sera validé au cours de la troisième conférence mondiale prévue à Sendai au Japon en mars 2014. S'agissant des activités sur le plan national, en évoquant ce cas d'action de Hyogo, je ne peux m'empêcher de faire le bilan de mon pays, le Gabon, et de réitérer son adhésion à intégrer la réduction des risques de catastrophes dans les plans et politiques de développement comme priorité nationale et locale à travers la mise en œuvre du programme stratégique Gabon émergent, initié par son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, qui a pour ambition de sortir son pays du sous-développement à travers 3 piliers, Gabon vert, Gabon des services et Gabon industriel. Ce vaste projet rend indispensable la nécessité de mettre en place des mécanismes de réduction des risques de catastrophes pour protéger nos investissements actuels et futurs. Cela est la preuve qu'il n'existe pas de développement durable sans prévention des risques, d'où l'intérêt d'investir véritablement dans ce secteur et d'en faire une priorité locale et nationale. S'agissant du bilan du cadre d'action de Hyogo au niveau du Gabon, au niveau de la première priorité, nous avons adopté une loi relative au plan d'exposition aux risques dans laquelle est créé un fonds de concours devant financer les projets relatifs à la prévention et la réduction des risques de catastrophes ainsi que l'aide aux sinistrés. Création en 2006 du ministère de la Prévention et de la Gestion des Calamités Naturelles, dont les services sont rattachés en 2009 au ministère de l'Intérieur. Il s'agit de la Direction générale de la prévention des risques et celle de l'assistance. Organe de pilotage, la Direction générale de prévention des risques est créée en 2009 et intègre la mission administration territoriale dans le cadre du programme prévention et gestion des catastrophes subdivisé en 2 actions, prévention et réduction des risques de catastrophes et gestion des catastrophes. Elle assure dans ce cadre l'exécution de la politique du gouvernement en matière de prévention, de réduction des risques de catastrophes naturelles ou anthropiques ainsi que de préparation en cas de crise. Création d'un organe de coordination, la plateforme nationale pour la prévention et la réduction des risques de catastrophes, portant création et attribution de celle-ci et comprenant un comité de pilotage, une coordination nationale, un secrétariat permanent, des comités provinciaux présidés par les gouverneurs de province et composés d'administrations locales et déconcentrées ainsi que la Croix-Rouge gabonaise. La création d'un comité interministériel d'experts en gestion des situations d'urgence, ayant pour activité principale en 2012 l'élaboration et la validation du plan national de contingence, la coordination des missions de recensement des sinistres et l'évaluation des dégâts causés par les catastrophes.
S'agissant de l'action prioritaire 2, l'inventaire et l'analyse des zones à risque de certaines communes, l'élaboration de certaines cartographies des zones à risque, la réception d'équipements météorologiques par la Direction générale de la météorologie à travers le projet AAP Gabon en renforcement des capacités institutionnelles pour une meilleure adaptation en zone côtière au Gabon, financé par le gouvernement japonais et piloté par la Direction générale de l'environnement. La mise en place d'une station marégraphique au port commercial de Port-Gentil pour renforcer les capacités de collecte et d'analyse des informations scientifiques sur le climat et la dynamique de la zone côtière des services de la Direction générale de météorologie. Les recherches scientifiques faites par le Centre national de recherche scientifique et technologique dans le cadre de l'érosion côtière, la création de l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale, la création d'un logiciel de gestion des sinistrés, la mise en place en cours d'un système de gestion d'informations sur les prévisions climatiques, la mise en place d'un observatoire des risques miniers. S'agissant de l'action prioritaire 3, la signature d'accords de coopération, le partage d'expériences avec certains pays, l'intégration de la réduction des catastrophes dans les programmes scolaires, instruction civique et sciences et vie de la Terre, la stratégie d'investissement humain pour le pacte national et de solidarité. S'agissant de l'action prioritaire 4, l'élaboration d'une loi relative à la protection et l'amélioration de l'environnement, la seconde communication nationale du Gabon sur les changements climatiques, l'élaboration du plan climat, l'assainissement et l'aménagement des bassins versant des localités urbaines, le plan de gestion durable des forêts, le respect des normes en matière de réduction des risques de catastrophes dans les programmes de construction des infrastructures, le plan stratégique Gabon émergent, la loi relative au code de l'urbanisme et le code minier. S'agissant de l'action prioritaire 5, l'élaboration d'un décret relatif à la préparation à la lutte contre les pollutions par les hydrocarbures et autres substances nuisibles, le plan national de prévention de lutte contre la grippe aviaire, les programmes de prévention des épidémies et épizooties, le plan national de contingence. Pour poursuivre les activités du cadre d'action de Yogo, nous pensons ainsi orienter nos actions principales en mettant l'accent sur l'élaboration d'une stratégie nationale pour la prévention des risques, la gestion des catastrophes, l'adaptation au changement climatique, ainsi que d'une cartographie des zones à risque et des plans de prévention des risques pour enseigner les Gabonais sur les risques et améliorer leurs conditions de vie. En mettant en disposition les informations sur les prévisions saisonnières, en prenant les dispositions nécessaires pour la gestion des réductions des risques de catastrophes par l'administration locale et les communautés, en améliorant les mécanismes de gestion des populations affectées et de leur prise en charge, en développant un mécanisme de mobilisation et de gestion des ressources, en mettant en œuvre la stratégie d'investissement humain. Pour encourager la réduction des risques de catastrophes sur le plan régional Afrique centrale, le Gabon a abrité la deuxième consultation régionale CAC au Tchad Afrique centrale portant sur la validation d'une stratégie régionale de prévention de risques de gestion des catastrophes et adaptation au changement climatique en 2012. Pour assurer ces activités, un appui technique est indispensable pour une réelle mobilisation des ressources auprès des organismes régionaux et internationaux, ainsi que le renforcement en ressources humaines de la communauté des États de l'Afrique centrale n'ayant plus d'experts UNISDR. De nombreux participants à la réunion préparatoire du Forum mondial Action humanitaire tenu à Abidjan les 19 et 20 juin 2014 ont insisté sur l'importance du financement de la gestion des risques à travers un pourcentage de l'aide humanitaire qui devait être consacrée à la réduction des risques. Il serait nécessaire de l'intégrer au cadre d'action de Yogo pour l'après 2015. Distinguished delegate, I mean, I have to. My apologies that I have to interrupt you, but I mean, you are way beyond, I mean, the time limit of 3 minutes. I thank you very much, distinguished ambassador, representative of Gabon. And I mean, my apologies, we have a very long list, I mean, for speakers, I mean, for this morning. And I would very much like us to finalize the list.